bien, salut tout le monde, c'est XVSCouille, toujours sur notre petit Unravel, traitement pour l'épisode final, hein, vu qu'il nous reste plus que deux niveaux, et vu la vitesse où les enchaînes, ça pourrait bien être le dernier level, enfin, la dernière vidéo, on verra bien, hein. Ok, bon, à tous les coups, on a oublié une boule. Allez, on prend les paris. Combien de chances qu'on ait oublié une boule? C'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait oublié une boule, de toute façon. Oui, c'est pas possible. On a tout, là. Alors, qu'est-ce qui... C'est quoi le problème, ici, globalement? Donc là, on a rien, on est d'accord. Bravo! Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? À part ça, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Hein. Récupérer un maximum de cordes. Ah! Non! Ah! Oh, on y était. Ouais, j'ai de justesse là, pour le coup. Mm-hmm. Ok, ça, ça pue. Non, ça pue pas en fait. Voilà. T'es dans une vieille ferraille là ou quoi? Eh merde, ma corde. Chut. Ça a handicapé, ça. Ça a clairement handicapé, à moins qu'on ait du bol. Ça mérite d'être clair, au moins. Alors, pourquoi est-ce que t'as commencé à rouler, toi? T'expliques? Quelque chose qu'on n'a pas vu. Comment je suis supposé esquiver ça? Ça, je comprends pas. Comment je suis supposé esquiver alors que c'est inesquivable? Regardez, on est d'accord. D'abord, regardez partout, y'a rien. Ah, d'accord.
fallait rester. Même comme ça, on n'est pas aidé. Hein. Non, je crois que je vais mourir perso. Y'a rien. J'avais même pas remonté. Enfin, il y a remonté, c'est pas difficile. Qu'est-ce que ça a débloqué en faisant ça? Surtout, c'est trouvé sorti d'où? Attendez, mais c'est quoi ce. C'est quoi ce. C'est quoi ce truc là? Attendez, d'accord, y avait rien. Tirer malheureusement. Attendez, j'essaie de... je vais me rapprocher de l'écran parce que je vois absolument pas où pourrait être mon objectif quoi. Regardez. Eh merde, il vient de bugger. Ah non. Putain. Non, je vois absolument pas ce que je suis supposé faire en fait. J'ai beau regarder partout, je ne vois rien qui pourrait être utile pour pouvoir monter en fait. Alors à moins qu'il y ait un truc planqué ici quelque part. Non, il n'y a rien. Je peux même pas faire glisser la roue quoi. Comment ça se fait? Attendez, c'est pas possible au niveau de la bug là. La roue devrait pouvoir bouger. Sans ça, je peux pas avancer, on est d'accord. On va reset pour voir. C'est bizarre là. C'est même très relou. Ah. Ah putain, faut être limite en timing, d'accord. Putain, fallait le voir ça. Hein. Putain, c'était limite invisible pour le savoir. Hein. Il a fait rien qui laissait croire qu'on pouvait passer par haut, quoi. En plus, vous avez vu, une fois que vous avez raté, c'est raté, quoi. Vous pouvez pas recommencer. Hein. Là, si vous pouvez recommencer, mais la condition. Oh putain. Oh, allez. Ça va, Alex. T'inquiète, t'as vu pire. Petit joueur, ça pour toi. C'est du petit lait pour les enfants. Allez, on y croit. Ah, d'accord, ça n'a pas marché. Pourtant, j'appuie sur la gâchette. Pas compris. Quoi? Ça brillait? Ah, petit bug de précision, hein, ici j'ai l'impression. Ah, c'est mieux. Tous les coups, ça va devoir s'en servir. Je suis mort. De où je suis mort? Non, franchement, de où? Vous savez quoi? Au lieu de me faire chier à recommencer à chaque fois, hop, voilà, hop, ça va plus vite, hop, voilà. Wouah, le bug! Ouais, le dernier level, ça bug. Allez, merci. Pas la même connerie que la dernière fois, Alex. Voilà. Bon, tu veux bien. Merci. Voilà. On pousse. Et là, il a. Et là. Et là, ça. Ouais, c'est la physique du câble. C'est tout. Ok, je peux.
c'est sérieux là? Et le jeu, il se passe quoi là? T'es en train de me dire qu'avec ça ici, tu n'arrives pas à faire un tremplin? Ah là, il veut bien. Oh. Bizarre le jeu, hein, pour le moment. Bon, vous me direz, c'est peut-être leur premier jeu, hein, ça peut arriver, hein, qu'il y ait des bugs et autres, mais là. C'est relou quand même. Ouais, first try, baby. Alors. Oh non, me dis pas qu'il y a des cafards. Faut prendre la voiture, on active comme ça, et après, hop, on remonte. Ok. Donc on a remonté le moteur. Moi, ma logique m'a dit que le moteur, je vais le faire tomber ici. Quoi ? Faut le balancer sur la droite en fait. Voilà. Allez ma gueule. You can do it. Just do it. Voilà. Hop. Et hop. Alors maintenant, est-ce que ça va régler notre problème? Ouh là 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 là, qu'est-ce que tu fais là? Ça règle pas tellement notre problème. Il y a toujours le truc sur le chemin. Allez, tourne! Voilà, viens par là. Je suis sûr que j'ai oublié un truc. Hein. Je suis sûr à 100% que j'ai oublié un truc. Si le moteur ne devrait pas suffire, logiquement. S'il suffit, il y a un problème. Eh ben, il y a un problème. Ma foi. Pourquoi pas, hein? Ah non! Ok. Bon, déjà, si, quand on va activer ce machin, ça va faire quoi? Ok. 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 Il reste néanmoins un problème. Comment je sors d'ici? Vu qu'il y a ce machin sur le truc. Ah oui.
Enfin, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas trop difficile pour l'instant. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de musique angoissante là? J'aime pas ça. Hein. Pourquoi il y a de musique angoissante? J'aime pas ça. Ok, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir en faire de ces machins? Ok. Donc, on va falloir attendre le bon moment pour sauter avec. Je dois trouver un truc à ramener. Ok. Je saute ici, ça fait quoi? Ça fait que je vais mourir. Tout simplement. Donc il doit y avoir un point d'accès quelque part qui peut me permettre de faire remonter un de ces trucs. C'est pas possible ça. Quelque chose, non? Ah mais attendez, y a que des trucs rouillés qui tombent là. Et quand on active le truc... Ah non, il y a ça qui tombe aussi. Non, reviens, reviens. Voilà, ici ma gueule. Allez. Viens voir papa. Non. Non. Ouh. Quelle virilité dans ma voix. Mais blague là. Donc en gros je dois le monter, puis l'agripper à moi pour pouvoir le faire venir de l'autre côté. Mais c'est une blague. Bah, je veux bien croire qu'il est qu'au premier plan quand on fait ça, mais bon, c'est peut-être chaud là, non? Ah! Pourquoi je suis lié à ce machin? Non, je veux dire pourquoi je suis lié à ce machin en fait, c'est pas... Comment je monte? Ça marche même pas quoi. Non, je vais mourir. LOL, fallait attendre qu'il y en ait un qui tombe bien. Ouh. Oh, attends que ça tombe là. Ouf. Je vais m'en prendre un dans la gueule là pour le coup. Un peu plus dur le level là.
Voilà. Ok, je vais faire écraser en gros, ça. Ah, je veux pas mourir. Je suis trop jeune. Level, hein. Ouais, on va faire le dernier level. Let's go. On est chaud là. Voilà. Monte. On va faire le last level. Dernière feuille.
Putain. J'ai plus le mot là, je vous avouerai. J'ai pas grand chose à dire par rapport à Renravel là. Je saurais même pas vous trouver les mots pour décrire ce que je viens de vivre dans cette fin là. C'est quasiment impossible en fait. C'est un des rares jeux qui vous fait vivre quelque chose. Je pense, tout simplement. Des jeux comme ça, il y en a pas mille. Ils sont très très rares, les jeux qui arrivent à vous procurer une pareille sensation en fait. Et là, le studio Cold World, ils ont réussi à créer une magie derrière ce jeu, c'est juste hallucinant. Cette magie se ressent encore plus sur la fin. Je vous avouerai que j'avais un peu la gorge nouée. J'avais pas vraiment envie de parler sur ce dernier épisode. Surtout quand on était au passage du cimetière. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? On pourrait en conclure que son ancien propriétaire est mort. Et que maintenant il revit par un nouveau. On pourrait penser ça. Ou alors on pourrait plutôt imaginer que c'est la vie d'une famille. Retracée par cette petite pelote de laine. Tous les beaux événements, tous les événements tristes. Par exemple, quand il y avait eu... comment on dit ça? La manifestation hein, pour les produits chimiques. Ou alors là, la fin, là, la mort d'un être proche, de ce que je comprends. Hein. Et puis il y a ce renouveau, hein, où est-ce que voilà, les souvenirs donnent place au présent avec la nouvelle génération, si on pourrait dire ça. Mais voilà, c'est vraiment poignant comme jeu. Si je devais lui mettre une note, honnêtement, je lui aurais déjà mis un 9. Franchement, je lui mets un 9 facile. Mais vraiment, vraiment, c'est super facile. Ce jeu ne mérite pas la note de 10, parce que quasi aucun jeu ne mérite la note de 10. Mais franchement, voilà, je suis sur le cul, tout simplement. J'ai pas d'autres mots pour ce jeu. Vous devez le vivre, ça c'est sûr, vous devez le vivre. Si vous avez 20 euros à mettre dedans, n'hésitez pas à les mettre, je pense pas que vous le regretterez. Mais vous devez clairement le vivre, sinon c'est du gâchis. Franchement, vous devez essayer de le vivre par vous-même. Je pense que vous comprendrez peut-être ce que j'ai ressenti sur cet ending. Mais franchement, que ce soit sur PS4, Xbox One ou PC, achetez-le. Franchement, J'ai pas d'autres mots. Achetez-le, franchement. Il est pas cher. Il est super joli graphiquement. On sent que les développeurs ont fait un travail de ouf sur tout ce qui est environnement. Il suffit de le voir. Hein. Déjà, rien que quand on est dans la maison, il y a déjà un super travail. Mais quand on est en forêt ou autre, quand on est dans la neige, mais il y avait un de ces travails de ouf, quoi. Non, franchement. C'était une magnifique expérience. Je saurais pas quoi vous dire, honnêtement. Je saurais pas décrire ça. C'est quasi impossible, en fait. Il fait partie de ces jeux qui marquent par son ambiance, par sa direction artistique et scénaristique. Parce que oui, il y a un scénario derrière, hein, même si on s'en rend pas spécialement compte. Et surtout la tendresse qu'on a par rapport au personnage. Hein. C'est un truc de ouf. Là franchement, je suis bien content qu'ils aient donné leur chance à Cold World. J'espère que Cold World fera d'autres jeux. Parce que là, c'était waouh. Il n'y a aucun mot pour décrire ça. Quoi. Vous devez y jouer tout simplement. Je peux rien dire d'autre. Je ne peux absolument rien dire d'autre. Bref, voilà. On peut voir que
que ça retrace l'histoire, hein. Une famille, je pense, hein. Enfin, voilà, mais moi je saurais pas vous dire exactement scénaristiquement, parce que là je suis encore sous le choc, vous voyez, c'est chaud, quoi. C'est vraiment là le choc, mais la grosse surprise, hein, de cette année. Dans le genre, il ferait pas ce que jeu indépendant, malheureusement, il y a Electronic Arts derrière qui a édité, donc je sais pas si on peut réellement le considérer comme un jeu indépendant, vu qu'ils ont un éditeur. Mais voilà, quoi, c'est clairement... Voilà, y a pas de mots pour ça. Y a pas de mots, jouez-y, c'est tout ce que je peux vous conseiller de faire. Voilà, le décès. Vous pouvez constater. Et voilà, le renouveau. Avec les enfants, hein. Voilà. Ça mettrait presque la larme à l'œil, franchement. Je sais pas pour vous. L'amour crée des liens semblables à des fils de laine. Comme la laine, ces liens peuvent être fragiles ou s'en mêler. Mais quand on en prend soin, ils peuvent relier un être à un autre. Voilà. Tout a été dit sur ce message de fin. Donc voilà, les loulous. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé ce playthrough, que vous aurez aimé Standing. J'ai pas parlé parce que je voulais pas vous gâcher ça. Même si, techniquement, je vous ai un peu gâché tout le playthrough en parlant tout le temps. Voilà, je vous avouerai que j'hésite même à le refaire en non commenté, histoire que vous puissiez profiter de l'ambiance, mais... Je sais pas. J'aime pas faire deux fois le même jeu, enfin, deux fois le jeu, parce que ça fait un peu le mec qui... qui essaie de profiter, quoi. Ça, j'aime pas. J'aime pas ça. Mais bon, si on a certains qui sont pour à ce que je leur fasse sans commenter derrière, il n'y a pas de souci, moi je peux leur faire. Hein. Mais seulement si les gens sont vraiment pour, quoi. Histoire que vous puissiez vivre l'ambiance, mais sans la cassure de ma voix. Sur ce, les loulous, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin du rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... Ouh, attitude. Comme d'habitude, j'ai trouvé le cul. Vous connaissez ta chanson, vous connaissez Eric, cliquez-t-on. Je vous laisse, vous faites pas un peu tout partout. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau playthrough et de nouvelles vidéos. Ciao bye, bouti bouti. Et que l'amour du PO bien soit avec vous. Peace.